Et salut les gens, c'est parti pour la suite de Pokémon Donjon Mystère. Ah oui, c'est vrai que je suis là. C'est vrai qu'en fait, je sais pas où est-ce qu'on le voit. J'ai un petit peu entraîné un de mes Pokémon. Et bah en fait, je vais pouvoir aller ici maintenant. À la petite grotte d'évolution que vous aimez tant. Alors, cherchez-vous donc à acquérir l'immense pouvoir de l'évolution. Et bah c'est parti pour l'évolution de Reactan, donc qui a besoin d'un niveau 45. Donc ouais, il a bien monté le petit, hein. Maintenant il est... On va plus jamais retrouver ta forme. Yes! Reactan évolue. Et il a évolué, c'était maintenant un Libégon! Souhaites-tu? Ouais, évidemment que oui. Au lieu de t'appeler Reactan... Tu vas t'appeler Redox, voilà. Le maître dragon des rochers. Alors, eh ben ça me paraît bien. Et je crois que j'ai déjà tout préparé, donc j'ai que deux grosses pommes. Peut-être prendre une troisième grosse pomme au cas où. Bah en fait on est parti, on avait voilà. Donc la dernière fois il y avait un voleur qui a sévi ici. Est-ce qu'il y a des pommes, tiens? Non. Donc la dernière fois oui il y avait un voleur qui a sévi ici. Et donc il serait temps d'aller chercher ce voleur. Au Mont Septentrion, c'est parti! Alors, Libégon avec un révélateur, je trouve ça tellement accurate. Bon, on commence déjà, voilà. Donc, les monts Septentrion, alors, il y a des roues carnage, rapaces de pique, Dodrio, Hoothoot, Noirfang, Coxyclaque, Mimigal, Togetic, Xatu. Il y a des Cotovol, des Charmillon, des Elendel, des Ninjask et des Sévipère. Une grande majorité de Pokémon vol, du coup, et un niveau moyen de 33. Ce qui devrait aller, j'ai envie de dire. J'espère. Alors, déjà, Charmillon, je crois que c'est la première. Oula. Bandana et Con. Ok. Ah merde! Pas grave. Et puis voilà pour les monts Septentrion maintenant. Et oh, Tournegrin! On va bientôt pouvoir reprendre l'émission. Alors, dégagez. Oh bah tiens, c'est parti. Plus au niveau 53. Alors. Allez, une petite pomme là. Alors, Tournegrin ici. Bon. Ah non, si, je l'avais pas. Ok. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Le donjon a l'air d'être plutôt calme, ceci dit. Et le niveau n'est pas très haut, donc je devrais pouvoir m'en sortir. Ah, il est pas mort lui! Ok. Ouais. Alors, allez, deux en moins encore. Des racaillasses. Ouais, on s'en fout. Il y a 25 étages, hein, j'ai oublié de le préciser, mais bon, ça on le voit du coup. Branche perdue PV. Hein. C'est pas mal cette connerie, je crois. Oula. Des branches en voûte. Un petit Dodrio, ce serait cool en vrai, non. Pas de Dodrio.
Wouah ! Ah, c'est bon, il l'a pas tué, ça va. Allez, un petit détour là. Voilà. On s'en sort bien. J'aimerais bien recruter Hero Carnage, mais bon. C'est quoi? Befrev. Ok. Va te faire foutre. Attends, mais ce truc a... Ah bah ouais. Bah c'est pas de chance, hein. Par contre, Libégon va pas servir à grand chose, mais. Enfin, Redox. Enfin, du moins, parce que Tellery Force ne pourra pas vraiment servir ici. Mais bon, c'est comme ça. Ok. Pas le droit de m'amuser. Oh putain, le piège fin. C'est pas le pire, mais bon. Ah non mais Skyno. Oh non il attaque pas. Ah bah voilà Dodrio. J'en ai pas de Dodrio. Il a pas de capacité cool mais bon. Une branche sommeil. Ok, ça ça peut être un potentiel recrutement. Pas du tout. Aïe. C'est trop bizarre la précision des fois. Oh Y-Rel, non. Là, ça par contre ça va être Qu'est-ce que j'aime pas quand Y-Rel. Wouah. Ah cool. J'ai à nouveau ristourne. Bon, au moins Blizzard sera à 100% de précision. Enfin, aura une précision infinie. Mais bon, c'est pas comme si j'avais déjà boosté sa précision à l'infini en fait. Ok, suivant. C'est où putain? Ah, c'est là! Eh mais vous êtes sérieux là? Deux tours de grêle là, vrai? Enfin deux... Oh, rapace de pique. Oh non mais attends, là ça va être la merde. Ouais, vas-y. Une équipe de volants là. Encore un rapace de pique. Jeune fou. Bah ouais. C'est là c'est dur hein. Non mais stop par contre. J'ai que ça, putain. Toi, t'as pas de capacité cool, vas-y, hop. Ok, ah. C'est bon. Alors, les coxyclax, ça va avoir argenté, faire très attention. Ça aussi. Ah
Ah voilà. Non, non, c'est bon, putain, vous pouvez l'attaquer là quand même. Le problème c'est que là j'ai pas un soin pour tout le monde en fait. Ok. Là faut que je fasse attention au déplacement. Mais encore ? Ouais ? Il est bon au moins ? Talion c'est pas mal, jeune fou. Ouais. Oui bah oui oui je sais qu'il connaît une capacité cool hein mais bon. Ok. Ah, Coxyclac, voilà. Salut Lumino. Ah non mais j'ai une armée de rapaces de pique là. Oh il est nul à chier. Oh il est nul à chier là, allez dégage. Je suis trop loin et le temps que j'arrive il fera déjà des dégâts. Ok. C'est un peu le désavantage d'avoir Balombre, d'avoir choisi Balombre là. Ok. Parce que là du coup Balombre je peux rien faire pour la plupart des Pokémon volants. Ok. Putain, toujours la panique là quand il y a un truc. Ça au moins c'est fait. Oh sérieux. Ah non ça c'est bon. Allez. Fous-moi le camp toi. Encore un Coxyclac. Cadence esquive, ça peut être pas mal. Alors attends. Oh mais il a pas. Ouais mais il a. Il, voilà, il a pas. Pourquoi lui il a pas voix argentée là. Ouais, bop. Allez, un rapace de pique en moins là. Alors. Oula. Oula. Ne pas prendre de risques. Stop les rapaces de pique par contre. Par là. Attends. Attends, là je suis en train. Là je vais me faire prendre en sandwich par contre. Ok. Ah merde. Ah putain. Par contre, attends, c'est. J'ai fait 9 étages seulement. Et j'ai déjà utilisé ma deuxième grosse pomme là, vraiment. C'est moi ou j'en chie là déjà. Bref. Oh putain. Équipé. Je l'avais pas vu venir là, l'attaque rapace. Ah mais oui, je perds pas de points de vie, c'est bon. Vu que j'ai la capacité cool jeune fou. Oh merde.
Foligraine. Pourquoi Scarino, les amis, il fait des attaques infiniment plus puissantes que moi, hein. Et en vrai, jeune fou, c'est pas nul. Alors... Parce que tant que je me prends pas de dommages, c'est bon, hein, en vrai, hein. Alors, mon septentrion étage... Oh, un obalie ! Changement d'ambiance, là. Hein. C'est la neige à perte de vue. Hein. C'est un piège fin, mais ça n'a pas d'effet. Hein. Ok... C'est bon, plus je ne connais plus la fin, incroyable! Alors. L'élixir max. Et là, il y a un petit obali. Ah, marche prudente. Allez, obali! Bah je vais virer Coxyclac, hein, parce que Coxyclac, attends, quoique, il y a deux rapaces de pique, là. Ah non, mais maintenant j'ai besoin de jeune fou, j'ai enlevé Talion, en vrai, hein. Parce que Osef, hein. Voilà. Ok. Il y a Eledel qui a pris mes pics de fer. Rendez-moi mes pics de... Oula, oula. Hein? What? Je peux pas utiliser Berceau Storniol. Ah, c'est peut-être parce que ça consomme de l'estomac, OMG. Oh là là. Attends, t'enfuis pas s'il te plaît, hein. Et c'est pas sur Eledel qui a les pics de fer. Bon bah tant pis. C'est bon, mes Pokémon ont tous faim. Sauf Redox, lui il va bien. Togetic. Ok. Alors ça c'est bon. Salut Zephy, comment va? Ah! Ah non, ok, il a fait par ici! Oh putain! Ok, cadence défense. Au revoir, Coxyclac, hein, vraiment. Oui. Au moins, je. Putain, ok. Par ici qui m'a littéralement emmené. Le bandana protège, ouais. Oh non, non, me saoule pas, toi. Ok. En vrai, je vais faire que des blizzards, hein, ici. Hein. Oh, faut pas être deg, hein, de pas avoir fait nuit blanche, hein. C'est vraiment pas sain, je trouve. Après, les gens font ce qu'ils veulent, hein, mais...
Oh, moi, je pourrais plus, hein. Attends, il y a eu quoi, là? L'objet piège buteur... Oh, le ruban doré, nice. Oh! Rends-moi mon objet! Non, oh, ok, d'accord. Attends, là, il y a un... une maison de monstres! Voilà! Non. Et de deux! Wow! Putain, il y a eu un micro-freeze, là! Ah, comme d'hab, les maisons de monstres, ça se passe bien. Mais non, non, non! Mon Bali! C'est bon. Par là, ouais. Alors, mon septentrion de THC. Oh, Dynavolt, je crois que j'en ai pas de Dynavolt. Bon alors, Ah oui, il y a des mini-gales. Allez, une petite pomme là. Ah, j'en ai pas. Ok. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que je retire? Putain, il a coup de jus. Qu'est-ce que je retire? Togetic, je suis désolé, Togetic, mais... Non, je vais garder Togetic. Je vais retirer l'Edel, je pense, pour l'instant. Parce que là, avoir, je pense avoir un Dynavolt coup de jus dans l'équipe, ça peut faire énormément de bien. Ah, il y a eu un sol brillant. Ok. La Dracosouffle là qui devient bien en vrai à force d'être d'être upgrade. Hein. Mais oh, c'est un... OMG, c'est vrai que... oui, c'est vrai que Redox peut faire Telluris. Tellurie Force, j'allais dire Tellurie sur. Ouais. T'as un petit élixir max là qui fait plaisir. Yeah, ouais, vas-y. Je skip les objets, on s'en fout. Allez, c'est bientôt fini normalement. Ok. Oh, il a survécu, lui. Un bandana pro... Oh. Oh, le coup de jus. Alors... Non, en vrai, du coup, je peux presque laisser Dynavolt jouer tout seul, maintenant. Oh là là. Attends, je vais attendre un peu là parce que... Oh! C'est bon, tout le monde est là. Voilà. Et non mais... Et par contre, j'ai vraiment pas de... C'est bon, je suis confus, je m'en fiche. Vraiment, les épines, ça peut vraiment aider en cas de confusion. Hein. Oh!
La maison d'invitation! Quel est cet endroit? Cette porte est dotée d'une boîte aux lettres. Un message est inscrit à côté. Bienvenue! Insérez votre lettre d'invitation pour entrer dans l'intrigante maison mystère. Voulez-vous glisser la lettre d'invitation dans la boîte aux lettres? Boîte à lettres? Boîte à lettres? On dit pas boîte aux lettres? Je sais pas. Bref. La lettre d'invitation tombe de l'autre côté de la porte. Quelqu'un ouvre l'enveloppe et ouvre la porte. Et c'est... Wouah! Mizibule et d'autres Pokémon se trouvent à l'intérieur de la maison. Et il y a tellement d'objets! Oh, une orbe résurrection. Oh, il y a tout! Il y a des résugraines. Oh, la vache! Échanger. Ah, là, c'est... Là, c'est une belle luck, en vrai. Et évidemment, c'est 3 Pokémon à recruter, hein, ce qui est génial. Échanger... Alors, attends. Là, on va dégager les trucs inutiles, là. Je veux tout! Je veux tout! Oh, putain, c'est des... C'est vraiment des résugraines, hein. C'est... Oh, c'est génial. Par contre, comment je vais les recruter, ceux-là? Échanger... Oh, vas-y, les branches, les dégage. On s'en fout des branches. Ah, c'est bon, là. Alors... Céleroc et compagnie semblaient attendre de la visite. Bienvenue dans l'intrigante maison mystère. Puis-je à passer un moment agréable avec Céleroc et compagnie. Ah, là, je peux même pas dire non, en fait. Ah, je les veux tous. Voulez-vous poursuivre l'aventure avec Mizibule? Yes. Ah, je les veux tous. Allez, au revoir à Pass the Peak. Ouais. Et évidemment... Oh, Solaroth Boost Expérience. Allez, toi aussi, tu viens. Alors, Boost Expérience permet de gagner davantage de points d'expérience après avoir vaincu un ennemi. Cette capacité cool s'applique à tous les membres de l'équipe ainsi qu'aux coéquipiers dans les corps de secourisme. Boost Expérience, c'est incroyable hein, comme capacité cool. Et je vais virer Togetic, du coup. Voilà. On a dépouillé la maison mystère. Par contre, grosse pomme, du coup. Voilà. Eh ben, je suis très content. Parce que là, on a enfin eu la première maison mystère. Et là, par contre, ça va être un peu plus compliqué maintenant. Mimigal, ouais, non, c'est bon. Je peux... Désolé, j'ai plus de place. Et, putain, et maintenant, c'est maintenant qu'il y a des pommes. Alors, putain, ah, l'XP, là, elle monte. Hein. Là, par contre, elle monte de fou. Hein. Oh. Ok. Alors... Il y a quelqu'un qui approche. Ouais, c'est bon, en vrai. Tac, 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 tac. C'est vipère. Non. Encore un tournegrin? Ouais, non, c'est bon. Hein. Tournegrin, il a pas résisté la première fois, j'en prends pas un autre. Hein. Surtout que là, bah, j'ai que des bons Pokémon, en fait. Ah, c'est... Ouais, bon, non, ça change rien, écoute.
Là par contre c'est très dangereux là. Bah ouais mais... Hop. Ah mais putain, mais tout... What? Non mais là j'ai pas de chance, j'ai pas de quoi changer de climat, OMG. Utilisant des rues du grain, hein, au pire. Hein. Mais là, ouais, je peux pas sauver tout le monde, en fait. Putain, mais je peux pas me sauver moi-même, là. Mais putain, mais elle est où, la sortie? Le tarot du Pokémon est neutralisé. Ok, je m'en fous. Il me reste combien de Béoran? Ah bah c'est fini, j'en ai plus. Bah désolé Redox. Oh mais ça c'est pas de chance, je suis désolé. Non! Après, c'est vrai que j'ai plein de résugraines, hein, mais. Putain, c'est fou. Oh putain de merde. Ah! Ah, c'est fini? Putain, j'étais à deux doigts de. Oh! Qui va là? Je vois! Vous espériez récupérer les CT! Malheureusement, je me laisserai pas faire! Je suis Latios, le Pokémonéon! Pourquoi je fais une voix de Mickey, je sais pas! Quiconque va récupérer ses CT devra me passer sur le corps! Voilà, donc Latios, le boss du Mont Septentrion. Et il a l'air bien ridicule par rapport aux légendaires qu'on affronte, hein, mais bon. Donc un Pokémon Dragon Psy. Évidemment qui dit psy dit blizzard. Ah bah voilà. Non. Oula. Aïe. Ah putain! Anti-soin! Les PV du Pokémon ne se régénèrent pas, ni naturellement, ni à l'aide d'objets ou de capacités. Ok. Si tu veux. Non mais Scarino fait un effort là! Mi éclat. What? Attends, mais t'avais pas de point de vie ou quoi, là? Ok. Bon, je fais deux résugraines, c'est pas grave. Arg! Pitié, je ne puis échouer maintenant. C'est important. Je dois à tout prix me rendre quelque part. Si je me mate... Ah, ma chère petite sœur... Et voilà, c'est terminé. Oh, pff, que des... Ok, d'accord. J'ai pas eu grand-chose, en vrai. Mais j'ai beaucoup de recrutement. Voilà. Très cool, hein, vraiment. Pour Celerox, je suis très content de les avoir.
Alors, Solar Rock. Ah, il se réveille. Où suis-je? T'es sur la place Pokémon. T'es tombé dans les pommes au sommet du démon Septentrion et t'as ramené ici. Voleur, misérable, t'as dérobé notre précieuse marchandise. Tu vas payer. Un instant, il avait peut-être une bonne raison. Écoutons d'abord ce qu'il a à dire. C'est ma sœur, quel malheur! Je dois la retrouver au plus vite! Oh, que j'ai mal! Dans ton état, tu ne pourras pas voler. Raconte plutôt ce qui t'est arrivé. J'ai une petite sœur, Latias. Elle a eu un accident et a chuté dans la vallée infernale. Comment? La vallée infernale? C'est quoi cette vallée machin? C'est un endroit près des monts Septentrion. On raconte que quiconque a le malheur d'y tomber n'en revient jamais. Latias et moi survolions les monts Septentrion. Quand soudain elle fut frappée à l'aile parce qu'elle ressemblait à une météorite. Incapable de voler avec son aile blessée, elle s'enfonça dans la vallée infernale. Une météorite? Pluche, c'était peut-être un morceau de celle qu'on a détruite. Je me suis précipité là-bas pour tenter de sauver ma petite sœur, mais je n'ai pas pu avancer bien loin. C'est une tâche trop ardue pour moi. Je vois, c'est pour ça que tu as dérobé les CT. Oui, mais je vous assure que je comptais vous les rendre. Je suis peu fier de mes actes, je suis sincèrement navré. Allons, c'est pas si grave. Maintenant que tu as expliqué tes raisons, comment t'en vouloir? Cela dit, même si tu avais pu atteindre les profondeurs de la vallée infernale, qu'aurais-tu fait ensuite? Les tréfonds de la vallée infernale ne sont qu'une vaste étendue stérile. Tu aurais erré éternellement sans jamais pouvoir remonter. À quoi bon? Cela fait si longtemps que ma sœur y a sombré. La thiasse de se sentir si seule là-bas, incapable de s'extirper les profondeurs. Mais même si je me retrouve à errer, au moins nous serions ensemble. La thiasse ne m'aurait jamais abandonné, elle. C'est de la folie. Crois-tu que ta sœur aurait souhaité ça? Pas si vite, c'est un endroit dont personne ne revient, pas vrai? On peut vraiment pas aller la sauver? Si, il existe peut-être une solution, une seule. Ah bon? Vraiment? Et vous possédez déjà l'objet nécessaire. Je veux parler du cristal de téléportation. Utilisez-le. Le cristal de téléportation? Celui qu'on a utilisé pour aller voir Rayquaza dans le ciel? Tout à fait. Il devrait vous permettre de quitter les tréfonds de la vallée infernale. Oh, super! On va pouvoir sauver Latias alors. Pluche, il n'y a pas à hésiter. On fonce là-bas et on sauve Latias. C'est parti la vallée infernale.